Alors mon souvenir PlayStation à moi remonte à 2002, j'avais 12-13 ans, j'étais fan de Metal Gear Solid 1 sur PlayStation par Hideo Kojima. En 2002 sortait Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty sur PlayStation 2. J'étais ultra hypé, je n'avais pas la console PlayStation 2, mais alors l'épisode 2 de Metal Gear, je savais tout ce qu'il y avait à savoir avant que le jeu sorte, en sachant tout à fait que je pourrais pas y jouer avant un bon moment, parce que cette console à l'époque, bah, j'avais 12-13 ans et je dépendais de Noël ou des anniversaires pour avoir ce genre de cadeau. Une semaine avant la sortie, une célèbre radio française annonce que pendant une semaine, si vous accédez au standard et que vous demandez juste le jeu, on vous le donne, on vous l'offre. Donc là, ni une ni deux, je me suis dit, peu importe que j'ai pas la console, je les appelle et au moins j'aurai le jeu, faut que je le sécurise, faut que je l'ai avec moi. Et donc j'appelle. Pendant une semaine, tous les soirs, j'appelle le standard sans jamais tomber dessus. À multiplier les essais avec mes parents qui me regardent curieusement. Arrive la fin de la semaine, la fin de ce moment où on pouvait gagner le jeu, et j'arrive enfin à avoir le standard. La femme a affaire à moi et je suis super excité, j'arrive pas à dire une adresse ou quoi que ce soit, je suis juste trop content de savoir que je vais avoir le jeu. Elle me calme, on discute un peu, je lui donne l'adresse et elle me dit bon bah tu recevras le jeu très vite, tu vas voir, tu vas pouvoir y jouer très vite. Et une semaine se passe, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et là je me dis bon ok, ils m'ont zappé, ils m'ont oublié, et il faudra que j'attende un anniversaire ou un Noël pour avoir la console et pour me prendre le jeu, enfin bref, j'ai un peu le seum quoi. Un mois et demi après l'appel donc, je rentre du collège à la maison. Et ma mère me dit, il y a un énorme paquet pour toi, et je sais pas ce que c'est. Et donc j'y vais, je me dis, ça peut pas être mon jeu d'il y a un mois et demi, parce que la boîte est trop grosse, ça doit être autre chose. J'ouvre la boîte, et là donc, d'une part, je vois le jeu, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, je me dis, pouah, je l'ai, ça y est, oh, le rêve. Et une petite lettre de la radio française, là, un petit papier dessus où il y avait marqué, désolé pour le retard de l'envoi du jeu. Donc pour s'excuser, on a rajouté un petit truc. Et donc je pousse le jeu et juste en dessous il y avait l'énorme boîte de la PlayStation 2, la console en bundle avec le gros dessin de Snake dessus, offerte avec le jeu. Et là j'étais en mode mais oh, plus beau jour de ma vie à ce moment-là quoi. Donc j'ai dû danser pendant 24 heures. Et depuis ce temps-là, bah, Hideo Kojima, Metal Gear Solid et surtout PlayStation. Voilà, font partie de ma vie et j'ai toujours cette PlayStation 2 à la maison qui fonctionne toujours quoi. Merci PlayStation.